Capage TV. Capage TV. Moto kufilelo. Sabalongo le mabilo ra katel mu. Moto kufilelo. Sabalongo le biloko. Ezela 40, ezela 2h 3h 30. S'il est mort sur place là, je peux faire revenir à la vie. Mouta koufi va qu'elle est maintenant à 50 ans. Avant qu'elle même ses conteneurs. S'il est mort sur place là. Et ça à 3h de tenter. Je peux faire revenir à la vie. C'est un égrégore de la famille. Donc, avant ma naissance, on m'avait déjà préparé sur les entités de la famille. Donc, c'est pour dire qu'après la boîte à ma baye, il y a dans mon tokoya qui a accosté sa bateau, à cause de la guérison, à cause de la bouille, 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 bouille. Donc, il y a eu des rituels qui s'étaient déjà faits dans mon village. Et quand je suis arrivé, j'étais comme un gourou, c'est même le mot à dire. Comme quelqu'un ne suit pas les 10 commandements, donc c'est pour dire qu'il n'est pas pasteur. C'est de la folie. Ça, c'est clair. Moi, je suis un occultiste. Je suis mes commandements. Les commandements, principes que je suis, c'est les 7 principes que je suis pour moi, c'est la croix qui est inversée. Je ne prie pas Jésus. Voilà. Chez moi, j'ai Astaroth, j'ai Belzébuth, j'ai Lucifer. Je ne prie pas Jésus. Voilà. C'est-à-dire, chaque malade que je reçois chez moi, à travers mon égrégore, et c'est la cancer, et c'est la sida, et c'est la malade à l'iboma, il y a folie. Et c'est la soit que soit adjoint ou pas. En effet, à ta l'iboma, il y a une ligne. Sida homme t'as coupé Azana on peut n'a qu'un micro à travers le micro. Ada Sida Azana au coup falubi. Cancer pena au babi pena que aux besoins on a une date. Sur place, c'est comme les pasteurs. La majorité des pasteurs sont des kabassiques. Hein? C'est des kabassiques. Oui. Mais moi de mon côté, moi barabamo déjà. Monsieur peut pas y répondre. Je suis un nécromancien. La nécromancie c'est pour dire que je pratique de la Wicca. La Wicca c'est la magie luciférienne, ce que je pratique. Et j'ai aussi la tradition de mon village que je suis né parce que je suis chez nous on appelle ça, chez nous les Bazombo on appelle ça le solo. Donc le solo ça peut être dans le commerce, ça peut être dans le panz ou dans les fétiches. Donc c'est un truc comme ça. Quand on est magicien, un occultiste ou un féticheur, nous devons avoir toujours des techniques, de consulter toujours les entités, les esprits qui nous permettent de faire l'un par rapport à ce problème ou à ce rituel. Même à distance. Ce sont les entités que je manipule, ce sont les esprits que j'envoie. Ok. Le problème, c'est le résultat, c'est la durée, si ce sont 18 heures ou 48 heures. Le sorcier va respecter la durée, c'est ça qu'il fallait prouver que non, la personne a été guérie parce que c'est lui-même qui nous a donné la durée, lui-même le magicien, qui nous a dit que dans 48 heures, on va soigner et dans 48 heures, on va à l'hôpital public. Ata, bazoko tse baptisant l'hôpital. Mais le sorcier, il y a une photo à Motowana. Où est malade? Bayelio. La paix, c'est un délai, on va bika. Ça, c'est des gens qui prennent des petits magies, des petits numéros. Ok, ok. Tu me rases là-bas, bim, c'est que parfois, je suis là, je suis là, ce sont des petits magiciens, des petits rites. Le pasteur, au nom de Jésus, c'est mon toi. C'est pas ça. Moi, mon problème, c'est les résultats. Ma guérison, c'est des résultats. Tu viens chez moi avec des résultats. Moi, c'est ça. AVC c'est le bureau pamba. AVC c'est trop bas parce que AVC sur mon dossier AVC. Ouais. À la minute je peux le faire réveiller. Parce que AVC comme envoûtement c'est pas, ce sont pas des tensions, c'est un envoûtement. AVC c'est un envoûtement. Mon toi qu'on s'est bien noté AVC la envoûtement. C'est quoi boy papa? Oui, il y a naturellement les athées. Ce qui est naturellement là cas, ma business nous AVC parce que business nous dans la vie. N'a pas de problème. Voilà. Si mon toi on a deux musiques. Tango azo bag sa tchatcho, ma camionne azo matin. Ah, yo ben un tchatcho, hein? Tchatcho, c'est un fétiche, non? Oh. On a bien un tchatcho, fétiche. Choisissez le service de Maman Chimène Cargo et bénéficiez de plusieurs services tels que le fret maritime, chargement de 5 conteneurs en un seul jour, service cargo rapide, de manière à ce que votre conteneur arrive à bon port dans un délai de 35 jours. Un service de fret aérien pour que vos marchandises arrivent par avion dans un délai de 3 à 4 jours. Mama Chimène dispose également d'un salon de coiffure mixte, coiffure homme de très haut niveau, coiffure femme avec des professionnels de la beauté et du look. Un salon qui respecte toutes les normes. Chez Mama Chimène, il y a aussi un restaurant qui vous met à votre disposition un petit déjeuner dès 8h à 10h. Tous les jours, ainsi que le grand buffet de 13h à 23h avec une multitude de repas africains. Rejoignez tous le service exceptionnel de Mama Chimène Seas à Dubaï, Moon Royal Hotel, Deira, Mama Chimène Cargo Service. Toujours près de vous, on vous accompagne en tout pendant votre séjour à Dubaï. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant ?
La gamme des produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint des bains et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Nous avons recommandé une gamme de Rude Beauté pour vous en vraiment déçu. En tout cas, vous avez la Rude Beauté à nous produire malamou pour nous proposer une bonne zone pour nous faire tout ce que nous avons mis à cette bonne table à la main. Pour moi, déjà, parce que nous avons été noirs et nous avons mis cette noire en ce moment-là. Les couleurs qui sont dans le cas de Rude Beauté. Rude Beauté, où est là? Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fière de ma peau, fière de Rude Beauté. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Osana's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Osana's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090. Ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5/A. Du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Osana's House. L'émission sera spéciale et bienvenue chez nous avec notre invité Chancy Kenge. Il aura l'honneur de nous présenter en tout cas tout ce qu'il fait. C'est le monsieur qui nous vient de Brazzaville et il est en cheval entre Brazza, Kinshasa, Sopoponia, Angola, Luanda, partout, Poto, partout. États-Unis, parce qu'il y a la voyance. Je ne sais pas si on a bien ou bien. Voyance. Dans mon mais il y a très taka. Donc nous avons quoi expliquer biso critère na les animés mais c'est Francis Kenge. Nous avons l'honneur de vous recevoir messieurs dans cette émission. Bienvenue. Mbote na baon nous sommes au Rwanda biso. Nous assurons à tradi praticien. Voilà. Oh il y a mon nene
toroye ba yango pe na kati ya capage télévision parce que chaîne na biso emetara partout hein ekotara partout a pe na TNT zozo emettre na Congo Web télévision na sa sur batunion son ba ko landa yo et puis ba royer ba eloko ninyo penza oyeli biso na capage télévision pouvez vous présenter na ba ba landa biso pas. Je suis monsieur Chansin Kenge, trachythérapeute, on est un nécromancien conseiller occulte. OK. Ancien occulte. Conseiller occulte. Conseiller occulte. En effet. Donc, il y a mon Lili, il y a moi, il y a mon Aon. Bien sûr. Ok. Si on a mon aussi mes livres, tu as un au banda, un camp, on rencontre qui, au côté qui est dans le domaine, au camp, et il y a un micro. Et pourquoi on s'intègre qui est dans l'occultiste? C'est une incarnation de la loi cosmique. Ce sont mes grands-pères qui avaient ce don. Donc, okay. Les incarnations. Ok. T'as la mini bat, tu vois, Olanda, puis ce qu'on a. Incarnation, aux yeux, on n'a pas coco, aux yeux, on n'a pas grand-père, caca, tout ça qui est déjà préparé. C'est un égrégore de la famille. Donc, avant ma naissance, on m'avait déjà préparé sur les entités de la famille. Donc, c'est pour dire qu'avant la bout, on m'avait dit, non, donc, mon tokoya a accosté sa bateau, à la guérison, à la bouille, bouille, bouille. Donc, il y a eu des rituels qui s'étaient déjà faits dans mon village. Et quand je suis arrivé, j'étais comme un gourou, c'est même le mot à dire. Ok, mais Nathan, tu as un peu de bateau, tu as un peu de bateau, tu as un peu de bateau, occultiste, gourou, pour que tu aies un peu de bateau, tu as 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 un peu de Monsieur Ikenge. Et ça, la ronde n'est ni. Bon. Qu'on a la paix gourou, qu'on a la maître, qu'on a la nyosoza, n'a aussi quoi. Bon, en fait, la science occulte, c'est pas dans le mauvais sens. Hein. Même le Christ lui-même a été initié parce qu'on parle de la vie de Jésus de miracles, de 12 ans, jusqu'à 32 ans. Mais de 15 ans, 16 ans, Jésus-Christ avait fait quoi? C'était une vérité qui a été cachée. Ok. Donc, chacun de nous, cette terre, vit avec des dons qu'il a appelés, qu'il a permis de sauver la vie des gens. Donc, en moto, aujourd'hui, c'est comme la médecine moderne. Une maladie comme cancer. Il y a des gens qui n'arrivent pas à soigner du cancer. Mais dans la tradition, ça peut se faire soigner. Ok. Vous voyez, il y a pas de cancer en sous parfois. Il y a un bug là. Oui. Moto, il y a un malade dans le bug de cancer. Mais il y a l'hôpital va soigner le cancer. Mais nandinga bosolo, nandinga kibokoko. On peut traiter ça traditionnellement. En fait, d'avoir recours aux entités. C'est-à-dire, chaque malade que je reçois chez moi, à travers mon égrégore, est-ce la cancer, est-ce la sida, est-ce la malade à l'iboma, il y a folie. Est-ce la soit que soit à Djongo. Donc, il y a une foule ou pinza. En effet, à ta l'iboma, il y a une ligne. Sida, on a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un cancer, il y a un peu de temps, il y a un peu. Sur place. Je prends d'abord le nom et le prénom de la personne. Ok. T'as besoin de la consultation. Je consulte d'abord les entités, les esprits. Ce sont les entités qui me diraient que non. On fait partir. En fait, c'est un rite qu'on appelle la nécromancie. Donc, être en communication avec l'au-delà. Ce sont les entités. L'au-delà, mort. En effet, madame. Ok. Ce sont les entités qui me disent comment soigner cette personne. Parce que le en tant que guérisseur, parce qu'il y a un problème d'organisme aussi. Donc il faut faire d'abord recours à voir son signe zodiaque. Je reconnais d'abord son date de naissance, soit être en communication avec son ange gardien, ou je peux être en communication avec mes esprits. Il y a un peu de nguya na makasi le lo na soigner motona. Et ça, c'est un peu comme 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 ça, c'est un peu français, makasi, c'est un peu comme ça, 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 L'interdiction est ratée. Il n'y a pas d'interdiction. Moi, toi, un magicien qui donne l'interdiction, c'est pour dire qu'il a un égrégore qui est très faible. Soit le moto va teker déjà dans le royaume de mort. Soit il y a des incantations ou des rites à faire. Ce que nous allons faire, tabac, moi, en tant qu'un occultiste, je peux être en communication
avec le monde paranormal, avec des entités, je peux rentrer en profondeur, soit je peux appeler Astaroth, Belzébuth, je ouvre le royaume des morts. C'est comme aujourd'hui la Motolelo, aux autres qui ont invoqué Kokono dans le cimetière à Koufa. Mais Kokono dans le cimetière, peut-être Kokono à Kokangama. Il y a des gens qui ont été en train de se faire, mais mon limon est limité. Parfois, l'entité est fermée. Donc, il faut faire recours d'abord à l'ange du cimetière. Le gardien du cimetière, c'est lui qui te donnera la porte. Maintenant, si tu n'es pas un occultiste, ok, le cimetière boyé. Ok, on est là. On est là. Non, on a un succès parce que dans les gens qui ont été martyrs, ils ont un succès. Dans le cimetière, il y a un ministère au Koufa. Mais yo, tu n'étais pas en communication avec le gardien du cimetière. Le rituel ne marchera pas. C'est le gardien du cimetière qui doit te dire que la tombe là, la personne, son esprit encore là, l'âme se retrouve dans l'au-delà. Parce qu'il y a des esprits qui sont honteux, qui sont restés là. Donc tu peux aller quand tu fais l'incontrôle, ça marche. Toi aujourd'hui, tu veux être député, ou tu veux être sénateur, ou tu veux être ministre. Mais tu pars faire les incantations dans des tombes. Aux autres, il y a des tombes, on a été parcours, ni motona, à Sala, soit à Sala, ma bébé, karma, on est bloqué dans un monde invisible, ou motona, amnaye. C'est toujours sur l'âme, sur elle, qui est la gardienne faucheuse. Donc quand tu fais parfois les rituels, ça ne marche pas. Ou c'est pour ça que beaucoup de gens font recours au magicien pour dire que non, le magicien m'a donné un rituel ou un bain de lavande pour des succès et s'imiter parce qu'il y avait des techniques, des manquements de techniques qui ont fait que le rituel ne puisse pas réussir. Donc quand on est magicien, un occultiste ou un féticheur, nous devons avoir toujours des techniques, de consulter toujours les entités, les esprits qui nous permettent de faire là par rapport à ce problème ou à ce rituel ou même un bain simple. Moi si à Bote, moi si à Balagaté, bâtir un masque, ma commune commerce aussi maté, ma commerce salé aussi maté. Même des bains simples là, avant de faire ça la femme, on a besoin de savoir de la vente. Avant de donner ce savoir de la vente là, faut d'abord consulter les esprits. C'est les esprits qui te disent non, copier savoir de la vente par rapport à ma commune, pèse comme ma souba ni moga tongo la mukinango, asukunango malédiction, bototo sili. Donc il y a beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui beaucoup des tradis thérapeutes comme moi, ils n'arrivent pas à soigner plusieurs maladies parce que c'est des techniques qui leur manquent pour faire guérir ou pour faire satisfaire la clientèle. Mm-hmm. Donc c'est ça. Merci en tout cas pour l'explication. Et batu oyo balingi bazalalem sous consulter et pas nayo et salamaka ndengeni ba consultation. Voilà. Bon, quand je consulte la personne, la première des choses est la toutes les cas. Voilà. Aliénés, prostate, toutes les maladies. Même des problèmes spirituels, des nuits, sorcellerie, des élévations pour devenir ministre, député. Mais aujourd'hui, pour devenir ministre, avant c'est la tchatcho, il faut d'abord y avoir une bonne relation. Parce que le tchatcho ici, c'est comme un joueur aujourd'hui. Il faut que tu signes pas un ganga. Ganga peut se signer pour marquer but. Mais au lieu de mettre un match, est-ce que Marie. Non, il joue à la paix. Faut à la paix dans moi, Milo, on a déjà. Mais bien sûr, le coup est un musicien. On a eu un succès dans l'album. Mais au lieu de battre, est-ce que Tchatcho est Simba? Donc il faut toujours avoir une relation. Quand on veut passer ministre, on se postule pour être ministre. Vous prenez votre CV, vous déposez là où vous avez déposé. C'est la photocopie du CV là qui nous permet à faire des incantations, des rites pour faire incarner les entités, mettre la lumière et ça passe bien pour passer ministre. Donc la situation, c'est ça. Et bon, comme tout à l'heure, tu as déjà un problème, même sous le cas de Trump, quand on a pris ça, on a déjà un médecin, on a dit qu'il y a un en tout cas, on a dissouté. Il y a des rites au carrefour pour faire revenir, pour faire revenir tous les enfants. En fait, ça des rituels des jumeaux. Donc, il faut donner des coques, des poussins, des oranges. Bon, ça, c'est des rituels qui se passent au carrefour à 0 h. Voilà, il y a un bon. Mais bien sûr, avec la patiente elle-même. Ok. Si quoi, Moutou aye peut-être parce que bah nous sommes au banga bah oui qui est bonganga bah oui magicien wana. Imagine dans les airs, y a Mundele, toi y a Bokoko parce que oui outil na famille. Il y a eu les airs. Pour toi y a Barati. Bah nous sommes au banga Bokoko, bah oui bah mélange en côté. Bah nous sommes bah oui Mundele, Kuna, Sozaga na Mundele. Bah mélanger qui ango. C'est dire bah mélanger que Bokoko na Mundele. Mais ceux qui ont Mundele on mélange des mondes ici, Mbagaté. C'est comme, okay. C'est comme la Wicca. Tu pratiques la Wicca luciférienne aujourd'hui. Mais tu veux mélanger la Kabbale. La Kabbale, c'est la magie des 72 génies planétaires. Ça ne marchera pas. C'est comme tu veux mélanger Astaroth avec Tétagrammaton. Ça ne marchera pas. Donc, quand on est kabbalistique,
C'est comme les pasteurs, la majorité des pasteurs sont des kabassiques. Hein, c'est des kabassiques, oui. Mais moi, de mon côté... Je suis un nécromancien. La nécromancie, c'est pour dire que je pratique de la Wicca. La Wicca, c'est la magie luciférienne, ce que je pratique. Et j'ai aussi la tradition de mon village que je suis né parce que chez nous, on appelle ça, chez nous, les Bazombes, on appelle ça le solo. Donc le solo, ça peut être dans le commerce, ça peut être dans le panzo ou dans les fétiches. Donc c'est un truc comme ça. Ok. Ouais. Merci en tout cas. Bah, au Bazo Landabiso, tu as un numéro ici, hein, parce que bah, monsieur vous a intéressé. Bakubenga, adresse aux autres du Siko na Kinshasa. Actuellement, je suis à Kinshasa à GB. Ok. Ok. Merci pour ton numéro parce que moi, invité à passer adresse na Mobimba Ezate qui ne comment na mambo ebele et merci na ba bazo landa biso en tout cas et na ce documentaire qui vraiment dans ce documentaire vraiment na formule na bangote mais na zaka wana mkem ke to sala émission bien. Livre na o simbi ezara tina nini. Voilà. Ça c'est un grimoire de dragon rouge. C'est-à-dire ce grimoire-là, c'est pour les incantations, pour faire apparaître les entités. Ok. Et donc pour faire apparaître les esprits. Donc il y a une exhalation, il y a des psychos. Donc pour ça, il y a des gens qui sont en train de servir à cap pour au côté de la monde dans le bien. Non, j'ai beaucoup de techniques. Ok. Ok. Merci d'avoir eu la démission en tout cas. On a évité ce qui. Parce que ce qu'on a dit, on a dit qu'on a déjà été ici. Dans l'hôpital, ce qui n'est pas là, on peut interdire rien, non, mais il y a qui si on a, pour comme une formule, il y a aide, il y a guérison, tout est le 40. Moto passe dans la carte d'hôpital, ne pas de docteur, pas de pasteur, ou pas de banque. Moi, je suis dans l'hôpital, les gens sont vers, on ne va pas vers ma maladie. Mais la minute, on va pas au tard, pour pas au benga. Maman, capache, toi, on a mis son dans l'hôpital. Tout ça, on a des commentaires dans la cave grave. Tout ça, on a mouton à bus à Béla Libo, Maza Pénana, foulou. Oh, et le bras pénal qui est foulou. Est-ce que Moutouana Oyo Yambaki a la capacité à télémisa? Mouto si Akaouki a la capacité à botisa? Ma question en a nionso. Est-ce que Bakoki Koyo a opéra bateau au babimi pénal hôpital dans Baka nions? Même si la personne en France, le sorcier est le nom et prénom, la date de naissance naïe. Ok. Donc 48 heures à Gobi quand même l'hôpital place à lui. D'ailleurs, ça, il s'arrête à la musique. Même à distance. Ce sont les entités que je manipule, ce sont les esprits que j'envoie. Ok. Le problème, c'est le résultat, c'est la durée, si ce sont 18 heures ou 48 heures. Le sorcier va respecter la durée, c'est ça qu'il fallait prouver, non. La personne a été guérie parce que c'est lui-même qui nous a donné la durée, lui-même le magicien, qui nous a dit que dans 48 heures, on a reçonné. Et dans 48 heures, on a l'hôpital public. Ata, bazo ko tsa baptisan l'hôpital T. Mais le sorcier, quand il y a une photo, on a un malade. Bayeli Ngango. La paix, c'est un délai, on a un bic. Et bon, je crois qu'il y a un vol. Nous sommes des nécromanciens. Un nécromancien, c'est quelqu'un qui connaît des morts. Donc, okay. C'est pour dire que deux fois, parfois, on a besoin des cheveux de mort ou de l'os de mort qu'on doit acheter dans des morts, des choses qu'on ne peut pas dire à la télévision. Donc, c'est des choses que la personne doit arriver sur place chez moi. Mais ça peut même qu'il a ma casse, et pas là, maman, bon, mais ça m'a raté. T'es ma caméra, bon, mais ça t'a monté. Et pas là, somme ta coquille, c'est pour ça que je te dis, non, quand je reçois la personne, je regarde d'abord son signe zodiac. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas d'abord regarder la personne comme ça, aïe, boyoumoulou, au pire, c'est talisman. Ah, tu as succès. Ok. Mais talisman, ils ont contact avec ange gardien. Ok. Donc, je suis comme un professeur. Ok. C'est même le mot. Ah, d'ailleurs, l'équipe là, on va mettre ma bombe, on va calculer la théorie, on va tout le monde là. Non, ça, c'est des gens qui prennent des petits magies, des petits numéros. Ok, ok. Des petits numéros, c'est là, bim, c'est Michel Kété, parfois Michel Kété, on a un grand déconnaïa. Nambongo. Parfois Michel Kété, on a un grand déconnaïa, abimissiamo. Ce sont des petits magiciens, des petits rites. Le pasteur a dit, au nom de Dieu, c'est mon tokoui. C'est pas ça. Moi, mon problème, c'est les résultats. Ma guérison, c'est des résultats. Tu viens chez moi avec des résultats. Moi, c'est ça. Motoyi, Shenga, ah, il est malade. Ou il veut devenir député, ou il veut devenir succès musicien, ou remplir des stades. C'est avec des résultats. Je dis, bon, par rapport à ça, la procédure, au moment de date et de naissance, à travers date de naissance, donc tel ange gardien. Je vais voir si son côté paternel est à telle entité, son côté maternel est à tel esprit. Je mélange cet égrégore-là, je ouvre les portes de ton travail. Parce que je ne vais pas prendre aujourd'hui des risques. Là, vous mettez les locaux, peut-être. Mentalement, il n'est pas préparé à ça. À quoi vous allez bon, bah après, c'est moi qui aurai des problèmes. Donc, ok. Il y a un débat qui vit. Ce que j'ai là, c'est que nous sommes sur la ritualité. On est peu beau. Pourquoi ça peut être un simbité, zonga? Avant de faire des rituels à la personne, parce que il faut d'abord consulter
ange gardien. Oui, ma montée dans un PC et le corona. Est-ce que aussi ma aussi maté? Parce que aujourd'hui, je vais prendre un rituel. N'a pas si tu montes dans le pour que tu aies succès. Mais yo, aux autres rituels, tu as succès. Ce qui on a même pureté, on a ma malédiction, et simité. Donc, faut d'abord voir la personne. Si la personne en consultation, penza, ok, la famille, papa, ok, ok. Voilà. Voilà. Si la personne est envoûtée par son environnement, ou bien soit elle va karma, soit mais il y a même aussi des femmes qui nous maudissent. Ça c'est clair. Parce que le moi c'est à moto, au foot c'est pas daté. Ils se rappellent un bébé dans l'eau. Mais si la femme joue à 0 heure à Longue et à Betiawaz, la personne est maudite. Ils se rappellent le faire. Pourquoi pas ça, on mingue. Mais au commencement, la parole. Ok. La parole est sacrée. Okay. À travers la parole, on peut envoûter quelqu'un. Ok. Ok. Mais pourquoi on dit qu'il tape papa aujourd'hui, tape moi, il est maudit? Parce que papa, c'est moi la parole qu'il envoûte. C'est que moi, je suis en bouteille. Moi, je ne fais pas le cas. C'est la parole. La parole, c'est sacré. Mais ma chrétien, il est en route. Pour ma chrétien, il est en vérité, mon sous, oh, là, je suis en train de faire ça. Dans ma église, il est en route. Sur votre respect, qu'est-ce que vous appelez le christianisme? Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur. Ah bon? Le christianisme, c'est pas ça. Le christianisme veut dire fraternité. Voilà. Parce que le vrai nom de Jésus, c'était Jésuette. Le vrai nom de Jésus, c'était Jésuette. C'est en latin. À l'époque, là, on parle langue druidesse. Maintenant, les catholiques, ils sont venus, comme c'est des cabassiques, ils ont mis Jésus-Christ. Mais c'est Jésuette. C'est en langue druidette. Les druides. Quand je parle d'ancienne religion, Batobayibi. Maintenant, quand le monde commence à changer, bah, comment vous changez ma camo pour faire sans des questions masquer. Échappatoires, pour le masquer. Parce que si on prend la Bible, l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent. Aujourd'hui, là, si vraiment quelqu'un est pasteur pour le vrai, mais pourquoi il parle de boîte de nuit? Où ils sont devenus des musiciens? Où ils sont devenus des prostituées? Le vrai pasteur, je suis les 10 commandements. Donc, quand quelqu'un ne suit pas les 10 commandements, donc c'est pour dire qu'il n'est pas pasteur. C'est de la folie. Ça c'est clair. Moi je suis un occultiste, je suis mes commandements. Les commandements, le principe que je suis, c'est le 7 principe que je suis pour moi, c'est la croix qui est inversée. Je ne prie pas Jésus. Voilà. Chez moi j'ai Astaroth, j'ai Belzébuth, j'ai Lucifer. Je ne prie pas Jésus. Voilà. Et ma famille le sait parce qu'à l'âge de 14 ans. Non. Parce que, au fait, ma famille le sait parce que je. Non, bah, il y a des gens qui courent, mais pas de nom comme migraté. Soit, pas de nom comme migraté. Quand tu as une personne qui est malade de la famille, on vient me voir. C'est moi qui sauve la famille. Ok, ok. Bon, la famille, je connais ça. Je connais un beau frère, puis il y a ma belle famille. Je sauve aussi ma belle famille. J'ai une femme dans ma maison, je suis un homme qui est responsable. Ok. Ah. Voilà, bien. J'ai des enfants, mes enfants sont bien protégés. Jamais, non, moi, je suis malade ou je suis malade, non. Ok. Tous mes enfants, mes totems ont tout protégé mes enfants. D'abord, mon soeur, je vais vous dire grand maître. On l'appelle Forforos, Lucifer, lui-même en personne. L'étoile du matin. Lucifer, en fait, ça veut dire le porteur de la lumière. Mais c'est l'étoile du matin, Forforos. Dans mon holobi placement, et ça, moi, très sensible. Tout le monde, le 1er août, je vais dans le cimetière. Tout le monde, en place. Cimetière, coller là, coucher ma gerbe de fleurs, coloba. Mais on l'oublie que tout ce soit pas coco, le balai, soit le balai pékété. Si que bola mouni et zara na bateau, bakinda kubongi sa pas cimetière, que mouta koufakala, ok kubongi sa place, ou l'aime sous ce bé bateau, ok kouluka, non l'oublie, ok kouluka mouta sou, mais moli moni et zara wana te. Est-ce que zara rapo ba chrétien mou soupe ba boya, mais pas fois sou sa chrétien te. Est-ce que na côté na bino kuna et zara pe na befe? Mais pourquoi les chrétiens. Importance na wé zarani. Mais pourquoi les chrétiens refusent ça? Au moment où le Christ a été jugé à la croix. Ça c'est leur simulacre qu'ils ont fait, que le Christ a été jugé à la croix. Mais pourquoi eux refusent encore ça? On ne peut pas refuser. On doit faire appel aux morts. Parce que sur les morts, on ne peut pas exister. Ce sont des gens qui ont vécu avec nous. On doit faire recours à la tradition. Okay. Mais lui-même Jésus-Christ, que vous appelez le Christ, Motoala qui est aveugle, pour ouvrir les yeux de la personne qui était aveugle, il a appelé aux entités de la terre que nous appelons la Gartha, les gnomes. Ce sont les entités. Ça qui m'a bêlé. Mais bien sûr, ce sont les entités de la terre, les gnomes, les esprits de la terre, que la mère terre puisse ouvrir les yeux de la personne qui est aveugle. Donc le corps physique que nous portons sur la terre, on a le corps éthérique, le corps mental, le corps spirituel et la kundalini. Mais nous tous, on fait partie de la garde de la terre. Donc c'est pour dire qu'on doit respecter les morts. Okay. On doit donner à manger aux morts. Quiconque donnera aux ancêtres à manger, il est béni.
C'est ça le problème. Mm-hmm. Maintenant, quand les chrétiens refusent qu'on rentre au cimetière, au moment que eux-mêmes sont au cimetière, donc il y a une vérité qui est cachée. Okay. Moi, j'ai des prêtres qui viennent me voir chez moi, parce que moi, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. J'ai initié beaucoup des orthodoxes. Ok. J'ai eu pas mal de couples en Afrique centrale. Donc, quand on parle des cimetières, l'homme a le droit de rentrer. Pour moi, d'abord, je préfère d'avoir prié mes ancêtres que prier d'abord même Jésus. Parce que ce sont mes ancêtres qui feraient que ma protection puisse exister. Et pour les jeunes, pour les fleurs, quand on rentre au cimetière, beaucoup de fleurs jaunes, beaucoup de cimetière. Mais parfois, ces fleurs jaunes-là, parfois, ça symbolise la négativité aux esprits des morts. Il faut apporter des fleurs blanches, la couleur blanche. C'est ce que je peux conseiller à Bandi Rondemis, au cimetière. Ma mère, ma fleur en couleur à pembe. Pour faire reposer l'âme. Okay. Maintenant, celui qui veut que l'âme la puisse venger, amène ma sauce, le coq noir, sauce, la poule noire, il parle à l'oreille gauche tout ce qu'il fait comme le malheur, et parle à l'oreille droite et il égorge, il renverse le sang, et il met des fleurs rouges là, l'esprit va se réveiller. On est zaka, on a pas eu ça, besoin de laisser les morts enterrer les morts, tout ça a coupé quel bébé là. Non, c'est un simulacre que les gens disent. Quand quelqu'un est mort, on doit faire revenir la personne. Quand quelqu'un est mort, il a changé de monde. C'est le corps éthérique. C'est le corps éthérique qui est parti. Et l'âme s'envole. Donc l'esprit reste, mais le corps physique est pourri. Okay. Donc il faut faire appel à l'esprit. Donc quand on fait appel à l'esprit, c'est des ailes qui se dépassent au mot par mot. C'est pour ça qu'au commencement, la parole c'est le verbe est sacré. Même à travers le verbe, on peut faire appel à un mort. Parce que faire apparaître une entité, parce que quand on meurt déjà, on est devenu une entité. Que ce soit négatif ou positif. Ouais. L'homme en tant que vivant, un nécromancien, quand il prend sa baguette magique, quand il part commander un mort, le mort a le pouvoir d'agir ce que la personne le demande à faire. Donc ce que n'indique à ma B, à côté à ma B. Si n'indique à bien, à ma B. Donc l'homme qui a le corps physique a le pouvoir de manipuler l'esprit. Ok. Ouais, donc ça, vous avez la moto, vous avez le pouvoir pour le camoto à Koufi. Non, parce que le mort, pour agir, il faut que la personne qui est physique puisse aller le réveiller. Okay. Si la personne n'est pas physique, elle n'a pas réveillé, le mort ne peut pas agir. Ce qu'on a dit, c'est que nous avons un cimetière dans le Moukaraba, comme on a fait l'activité de la mort, c'est vrai. Bon, il y a des choses. Il y a des choses. Il y a un cimetière qui a été fait pour les il y a des choses, en tant que nécromancien que je suis, je ne peux pas expliquer. Ah, ok, la télévision, il y a un cimetière. Comment? Donc, il faut que je me dise le numéro et tout. Et bien, il y a guérison depuis mon mois. J'ai commencé à soigner la folie à l'âge de 14 ans. 14 ans? J'ai c'est que vous avez vraiment l'expérience. Voilà. Oui. J'ai beaucoup d'expérience. Aujourd'hui, 37 ans d'âge que j'ai. Wow. J'ai beaucoup d'expérience. Toute ma vie, je veux que faire la guérison pour soigner des gens. Ok, voilà, peut-être que c'est mon cas pour l'envie que ça va. J'étais destiné à ça et j'ai encore ramené la magie à l'intérieur. Ok, mais ne te regardez pas mon truc, mon rapport, à côté à bien, à côté à ma belle, pour n'en écouter bien. Non, en fait, c'est pour ça que je vous ai dit non. On peut faire des rituels. Ok, il y a n'ego ma bien normal, n'ego pas encore. C'est-à-dire que tu peux invoquer le diable, mais pas dans le mal, mais dans le bien. Parce que c'est vous le corps physique, qui a le corps physique qui le commande. Ok. Merci en tout cas, nous avons besoin d'abisso, nous avons besoin d'un baka oyo, yakobela, nous avons besoin d'un baka moko, yamabé, makasi, nous avons des quoi, nous avons un problème. Bah député d'abisso peut être bon, bah peut être voilé fasté, bolinga mamba boy, popo bima la belle élection, bolinga ango, bo ça te, maman capable, bilo côté, bah pasteur paye, gagner les scouts de allo, bah bozara ango, Bozaranango, en tout cas, bon, le bateke, on y a invité Nabiso, monsieur Kienge, Azawana, pour Nabakani, on se puis, donc, au CKT, pour ma malade, nous sous, ma cancer, nous sous, on t'a là, qui, quand la vie m'a mort, à Koufa, pendant la cancer, ma poto, ce que papa Zara déjà avant, l'aime, son nako, il débisso, un très jeune homme, vraiment, bate belé, basan la distraction, ma casse, bate belé, bana mis au kangama, bate belé, bana ba problème. Tala ngana bopito de chaba isa biso kana biso te bo mona pena ke mutu mo azawana azape mutu ya likonja famille mo ken hopital ba isu sokana biso te bozong se de ananda ko ade bembe na hopital bo isa biso bongo mais monsieur Kenge alobi so ki deja bozana mutu azana kawana ba AVC ke bilo ko pamba AVC trop bas parce que tel emi sa pesa AVC sur mon AVC ouais à la minute je peux le faire réveiller.
Parce que AVC comme envoûtement, ce sont pas des tensions, c'est un envoûtement. AVC c'est un envoûtement. Moteur qu'on s'est bien noté, AVC la envoûtement. C'est quoi, boy, papa? Oui, il y a naturellement les athées. Ce qui est naturellement là, c'est que nous avons AVC. Parce que nous sommes dans la vie. Il n'y a pas de problème. Voilà. Nous avons des motos qui ont des déceptions dans le monde. Oh, il y a des gens qui ont des déceptions. Eh, il y a des pardon. Mais depuis que nous avons des déceptions, nous avons des déceptions. Ah! Nous avons des déceptions. T'es ma mère, fais la tendresse, hein? Pas maman, vous me la tendresse. Comme nous sommes au bang au kim, mais ils ont au côté de la en tout cas. Nous pas la terre, nous sommes pas mal. Nous sommes tous faux au PCM, le bélier la moukine, au l'obani. Et ça fait la nez en haut. Que la nature vous apporte. Alors que la nature vous apporte les bénédictions, que l'air vous purifie, que l'eau vous donne la grâce et que la terre vous apporte la richesse, que le feu vous donne le succès. Amen. Mais parce qu'on vit avec les quatre éléments de la nature. Okay. L'air, le feu, la terre et l'eau. Ce qu'on sent d'être c'est que tu brasses, il y a des choses qui sont mal. Il y a des choses qui sont mal. Mais non, même pour un voyage, tu prends seulement une pierre, tu fais un vœu, tu jettes dans l'eau. Quand tu voyages là, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas d'accident. N'importe quel voyage que tu vas partir. Attends l'avion. Au-dessus, quand il banga au lobby, quand il y a un vœu, tu jettes là, le voyage est parti. Problème. Bon, son comique à s'en aller à destination. Tu as un système. Au micro, il y a comme bongo. Bon. À ta côté, on a Zara bongo. Au focha, au front, on va s'améliorer. Il y a bien sûr ce qu'on a au baroya wana. Ezaka par cas, ton égénie. Constatation, toutes les maladies. Ezaka constatation, moko. Ok. Il y a $30. Ok. Maintenant, à travers constatation naie, à côté tika, date de naissance naie, nan ne prenne naie. Qui me permet d'être voyance, clairvoyance. Wana tiki bon à pas qui. Non, sur place kaka. Sur place. Ok. Naie clairvoyance makamoto. Mettons, il y a une voyance sur le signe, on a une profondeur. Ceux qui ont une voyance, ils ont une profondeur. On a ce qu'on a dit, c'est que l'on a une tête là. On a ce qu'il y a un cambo, et surtout, c'est un cambo. Et on a un cambo, il y a Kati. Ce qu'on a un zappé, monsieur King, ok, d'accord, là, tu as soutenu un rouge, n'a pas de copé, mais non. Nani, chef coutumier, moi, film, bon, chez moi, il y a la statue de Lucifer qui est dans ma maison. Ah! C'est tout. Il y a Mundo, oui. Il y a Mundo. La statue de Baphomet qui est de la maison. Devant la statue. Madame, vous ne pouvez pas vous dire. Il y a un peu de. Il y a un peu de. Au moins, il y a un peu. Nani, mon conjoint papa. Pour l'attendre à combattre. Au moins, il y a un peu. Il y a un peu de soleil. Il y a un peu de. On l'a dit ça dans ce que madame peut. Je suis en Zambit. Lucifer, on a un peu de Zambit. Il va faire la route. Mais si le ténèbre existe, si la nuit, il y a le soleil, c'est la même chose, non? Amara, la déesse du ténèbre, le soleil, ce qu'on appelle le Awinono, le grand génie, le vaudou, l'appelle le grand génie, Awinono. C'est le porteur de la lumière. Donc c'est pour dire que s'il y a la lumière et le ténèbre, c'est la même personne. Donc c'est pour dire que Dieu et Satan, c'est la même personne. Ils sont ensemble. C'est frère, et frère. En tout cas, prochainement, on y a Mbappé, madame, Namoni, Oza, et le gosse facile, on n'a pas Oza, on n'a pas Papa, Oza, et Oza. Parce que si nous avons un monde de vie, pour Namoni, tatouage, c'est Aramabé, Non, en fait, ce tatouage-là, ça fait partie de l'ancienne religion qu'on appelle la Wicca. Donc, des gens qui pratiquent la science occulte, ils savent la Wicca, c'est quoi? La Wicca, c'est l'ancienne religion que même le Christ avait pratiquée. Ça veut parler de son Bouddha. On parle de Sakyamuni, Tara, on parle du Bouddha Gautama, de Jésuette. Jésuette, c'est Jésus, parce que Jésus était bouddhiste. Donc, l'ancienne religion de la Wicca fait partie de son Bouddha. Les son Bouddha en Égypte à l'époque, là, parce que tout a commencé par l'Égypte, le berceau de la magie. Donc, les son Bouddha, là, pour être initié de la Wicca. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai bon, ça, ce sont des marques de druides. C'est pour ça que Dakala, quand on bande à Bokotama Bakoko, Bakotia signe Namboka. Si vous vous souvenez de ça, moi, tatouage, moi, Nzoloko, le signe. Ce sont des rites traditionnels qui permettent que la personne puisse être éveillée dans sa clairvoyance.
Ok. Donc, mais tu me souviens, tu me souviens de ça, on s'est l'envoi pour la beauté à nous autres. Mais il y a ce genre de moi. Bon, chez moi, quand, pour les stars, quand j'ai mis le tatouage, c'est avec des magnétismes que je mets. Ok. Quand je ok, Bilembo, on est tout le monde. Oui, c'est-à-dire, une star, un musicien, rap, c'est souvent des magnétismes que je leur mets. Ok, ok. En tout cas, merci beaucoup éclaircissement. Donc, Moutou, aya raté ma boro polele, oye bi moussalate, o salare l'orote, oye ou loukaka rake. Papa, loko lo yo za magicien, papa loko yo ye bi ebele, salake, ngana koma moutou boye, moutou boye te. Et loko nyon se zalara, il faut zalane, loko oye ko akorde, na oye baroupe sa yo. Yango bo moni batu ebele, ba bela ma boma. Batu ebele, ba koma la ba probleme, kili kili. Donc papa est king et n'est pas il faut consulter yo. Aébi que na famille barbara, bato peut pas couper na ba problème na ba maladie. Au moins on aime souper na entrer à famille na ba on peut monter sous souper qu'on a bloqué qui ma casse. Et ça peut na banganga sous oh na ba pardon ba magicien sous oh peut pas yo quand on a demandé que ma famille. Mais bien sûr c'est la raison pour laquelle je demande d'abord de consultation. D'abord. Ok. Parce qu'on peut pas aujourd'hui là on peut pas donner un remède. Ça n'est pas yamoto. Allô mal toi moringa et que soigne cancer ou mourir. Non, il faut d'abord consulter à et travers la consultation. Donc, il va à malade, il sur la piste quand même. Ah, il y a pas mal à Kobika. Malade, il sur la piste, il y a à Kobika. Mais ce qu'on est à la batte, nous sommes sous le peu à Zoya Péba consulter, mais il m'a dit qu'il y a des gens qui ne sont pas bons pour les gens qui ne sont pas là. N'a pas eu, et on connaît comment couper ce pacte là. Ok. Mais si on a un contact avec la famille, par exemple, ceux qui peut-être même sous Moutou ou aïe na malade, aïe mouta famille a boy kobi qui sa est ce qu'on a la neni. Bon, ça la rappelle na moutou en ya famille, na ba ancêtre wana, pour recevoir les mesures de grâce ton neni. Ceux qui moutou en famille a boy kobi qui sa est, c'est pour dire que l'âme là est bloquée dans l'au-delà. Donc il faut demander à elle, la gardienne de. 72 génies planétaires à ouvrir pour faire revenir ce âme-là pour que Motona a pika. C'est pour ça que je vous ai pris l'exemple. On va tout mettre dans le cimetière. Au cas où il y a reprendre, on va faire exaucer parce que deux fois la personne est bloquée. Donc si l'âme est bloquée, il y a des rituels que nous faisons pour délivrer d'abord cette âme-là de la personne. Et à travers Motona, on va l'utiliser comment faire pour que a pika ça. Et puis bandeau tout monsieur soit fait par l'autre raison va conduire mais par l'autre bandeau tout mais négés arrivent à cala en attendant au cala qui est monsieur azo ni mola bandeau tout négés Joseph Azara qui les gens bat monsieur fait par qui qu'il y a peu au ni moli bon fait bandeau tout bon concernant bandeau tout je le fais c'est très facile parce que c'est un truc c'est les pensées du chakra c'est pour dire que le sixième chakra est développé le corps mental est très éveillé on appelle ça le point ajna donc ceux qui montent à la bande autour na koyib sayi comment ça se passe madame soupe à la botami na ma problème en tout et aux arakela mususu méningite to moi na botama qui bien balamon bou a combiné mususu qui zengi. Et puis babaka on a siko qui zengi ça c'est un petit problème je le fais dans ta zone pénal normal très bien. Sans problème. Attends, parce que tu es parce que tu es un peu de c'est surtout ça. C'est succès. Il doit être véridique parce que la vérité libère. À travers ça, je peux savoir comment faire revenir cet enfant et te foutre une nyongo. Il y a bateau, koto, il y a teka manawana. Attends, mais ici, on a tous les soutiens, attends, koufa. Mais moi, je sais. Ah, rappelé, hein? Oui, moi, je sais comment, quelle technique faire pour faire revenir. Pour la bonne ok, ils sont à la Congo, ils sont à partout. Partout. Attends, tu poses le gouvernement, alors continue toujours poser le gouvernement. Moi, je suis bongi. Moi, je suis t'es pas bon sabana. Justement. Vraiment, t'es pas bon sabana. Surtout ça. Maman, va parce que Ebele, Ebele, va te cabana sans se rendre compte qu'on peut refaire ça. C'est très facile. Ok. Mais on continue dans la nomination. Et bon, je suis nominé, mais je suis nominé. 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 Ok, mais mon tout peut continuer dans mon salaire. Pas mis ma banga, mais je suis à quoi ça va. Au ce que au salibo était au salaire, au ce que dans ma carrière ni au sang.
Yo. Je suis une personne qui est très réglo. Qui est réglo. Je suis un responsable. Je suis un père de famille. J'ai commencé ce métier depuis, ça fait 37 ans d'expérience que j'ai sur cette terre-là. Wow. Ce métier. À 14 ans, j'étais déjà maître. Voilà. Donc, c'est pour dire que je suis conseiller au culte. Un conseiller au culte, c'est quelqu'un qui conseille. C'est, quelqu'un qui n'amène pas des gens dans la négativité. Donc, c'est quelqu'un qui conseille. Donc, quand quelqu'un vient pour un problème, c'est Kanayo par rapport à Kanayo. Soit aux hommes menacés, bon, on peut faire ça, ma Kamobiki. Ok, ah, c'est bien. Yo, initiaté, hein? Non, initiaté, bâton. Bon, c'est bon, il peut être un peu de bon, il peut être un peu de bon, nous sommes pas au bar avec un grand matin ben on a quelque bon ce qu'a bouilli c'est que c'est pas son destin avant l'initié faut l'évidence où il y a destin la force ratée hein la force ratée si le destin c'est non initié ce sera destiné non initié parce que ce qu'on a forcé maintenant à comment les bombes au on ne force pas la nature okay. La loi cosmique permet de donner la grâce à celui qui a été déjà initié, celui qui a été élu. D'être moi, j'étais élu par mes papas, mes grands-parents. Ce que vous avez dit, mon pronomité, c'est un don d'abord. Si vous avez deux musiques, tant que vous avez un tchatcho, vous avez un matin. Ah, vous avez un tchatcho, hein? Tchatcho, c'est un fétiche, non? Vous avez un tchatcho, fétiche. Ok, monsieur Kenge, en tout cas, ils ont habillé au on a tout niveau à monter. Ils ont une expérience où on a vraiment à éviter parce que dans un vraiment des dents, dans un temps de sous après au côté à la paix sous émission dans mon sous au Tindelinga pendant c'est documenté bien bien et prochainement dans Toyambobi Balé. Toyambobi Balé, en tout cas, nous avons une expérience ma casse à Bible pour faire un autant à peu Bible et ma casse. Oyo Yelinga, on a peine à aller au Bible. Au bétier, on appelle la bétier. 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 Malade est vraiment incurable, soit sida, cancer, AVC, malade vraiment impressionnant, niboma, tous les problèmes qui concernent la spiritualité, diabète tout. Surtout glycémie, mycolo, ils ont tension. Na moto, bando toi ma belle, bakamboya, ban nomination, à comment mon condi, comme appel. Ok. Voilà. Merci. Merci en tout cas de nous avoir vraiment parlé de vous. En tout cas, Capage Télévision, tous avons pour la batunion sans discrimination. En tout cas, au fond, la porte pour nous amouter, tous appelons les tiboué et que les batunions soupe par qui kobika, batunions soupe par cause à la lèvre sous l'opportunité à travers passage non à Capage Télévision. Merci à madame ou à compagnie Papa Ikenge. Merci d'avoir honoré soir Rolanda Bisso. Ce qui numéro 1 est l'équité au Benin à la pression numéro 1 parce que Azali. Vraiment 24 heures sur 24 ouvert et puis Azal en ligne très très disponible. Azal voilà bah 21e Moussou souté auto mon araye ma Moussou salomé ma Moussou derrière la caméra ma Moussou non en tout cas Azal pena mundele des moyens rapena mundele merci d'avoir balandu Bisso t'occupe dans la prochaine mois on a bah question Moussou Soussou et à Makasi mais Joe Mystique n'a surtout re télécharger bah émission pour tout ça et sous bah exprès Moussou on a la tonité et puis bah expérience Moussou non tout la question Moussou Yasuka monsieur Kenge si quoi tu vas trop faire là parce que l'Afrique centrale ou un c'est que yo ata Titanic et anakata mayo bimsa oh je suis grand maître en tout. Des arabes monte à coup fort battre nous sommes les arabes tout le monde a compère fil kuna abimsa l'or abimsa Titanic le seul expérience que je peux te faire monte à coup filer l'eau monte à coup filer l'eau ça va longer les marbillons à quatre minutes monte à coup filer l'eau ça va longer les locaux est-ce la 40 est-ce la 2 heures 3 heures tenté. S'il est mort sur place là, je peux faire revenir la vie. Mouta Koufi va quand même dans la cinquantenaire. Avant qu'elle même cinquantenaire. S'il est mort sur place là. Et ça a 3 heures de tenter. Je peux faire revenir la vie. Et ça y a passé le cas où t'es. Que va y en a cercle, qu'on a pembe. Mouta Pena Koufi. C'est-à-dire, quand quelqu'un meurt, avant de traverser le monde au-delà, il y a l'ange faucheuse qui vient récupérer son âme. Donc avant que l'ange faucheuse vienne récupérer, je peux faire revenir la vie. Ok. Voilà. J'ai pris des trophées pas mal dans l'Afrique. J'étais à Ouida, à Bomé. Papa Ikenge, pardon. Oui. Avant, on a trophées. Ils ont appelé un kilo au salon à Batakuna.
to bo benga na rabino nyoso boza di domaine ba tie moi et lo moi bo saleli ango effort et ça la mande ni pour la bino bo zo trop. Il y a des concours qui se passent. Ah. Les concours c'est pour dire que l'être un tel assuré ma boma. Ah ok. Donc c'est tout parce que là je suis en RDC, je pense que je veux avoir cette occasion aussi de me regrouper avec d'autres traditeurs-thérapeutes okay. pour créer un peu de concours. Si le ministère de culture d'art peut me, le ministère de la santé d'ici, si peut, si on peut m'autoriser pour créer un peu de concours parce que la médecine traditionnelle doit revenir à la mode. Ok. Que parce que la médecine moderne nous est belle parce qu'on fait quand le concert est très facile à ressouvenir. Quand le bomba est très facile à ressouvenir. Mais. Ah, bah, so, bah, bika, cancer a été moutakoufi. Cancer, y a ni moutakoufi. Au cancer de foie, au cancer de type. Même gros cœur, c'est facile à soigner ça. Mais à l'hôpital, les gens mawa. Modernes et mawa. Il y a même des cas, je pense, qui sont à l'hôpital, qui peuvent dire et ah, papa, soit malade à l'hôpital. Mais on peut me, je peux aller sur place, me remettre des remèdes, ou bien à travers son prénom, je peux soigner. Son nom et prénom, je peux soigner la personne. Même ce qui est vraiment ça pour nous, oui, qui ça va. Je suis venu pour délivrer les âmes des gens, pas pour faire du mal. Ok, ok. Quiconque viendra pour le mal, car la nature va le frapper. Mais pour le bien, il serait bien reçu. Bon, on va le voir. Mais celui-là, on sera là, bandoki. Dès aux abois, non, mon agal, ma seke, mon abois, mon moi, la tête. Je suis marié. Mon qui, mon moi, mon qui là. Un antichrist, un satanique, c'est pas quelqu'un qui fait du mal à tout moment à des gens, mais c'est quelqu'un, okay. c'est quelqu'un aussi qui peut sauver la vie des gens. Parce que même Lucifer l'appelle le porteur de la lumière. Il amène la lumière. Donc c'est pour dire qu'il peut faire du bien. On a dit bien ça là. Il y a le bien qui se fait. Ça a délété. Il n'y a pas de délai sur ça. C'est des petits magiciens qui donnent délai. C'est-à-dire des petits occultistes là. Qui donnent délai. Ah, c'est pour ça que je dis que je suis un conseil occulte. Ok. Voilà. Parce que ça côté ni kuna maikari ni yo. Non, les maikari, la rose croix c'est trop bas. La maçonnerie, la franc-maçonnerie. Rotary Club, c'est des petits trucs. Les rotariens, les rotariens, c'est même pas la magie. Parce que moi, je suis nécromancien. Voilà. Donc la nécromancie, c'est quelqu'un qui connaît la Wicca. La Wicca, ça fait partie de l'ancienne religion. Donc c'est pour te dire que je maîtrise les druides, la magie des premiers sangs au barbier, on va druides. Bah sang on va les loter. Bah sang on va cala. Bah druides. Parce que vous posez la question. Mais c'est dire, je ne suis pas venu pour se faire comparer. Ah ok. Mais Guillaume de Compris avait l'esprit qui habitait la campagne, jamais le disait meilleur guérisseur. Mais celui qui a besoin de venir me voir, il n'a qu'à venir me voir. Il aura sa solution. Ok. Ah, c'est bien. Si on est un Zarakien, on a posé une question un peu privée. On est un Zarakien. Ce qui est bon, c'est que le tombeau est papa na biso. Maman a biso, il faut oser mutu mo ya famille ya papa. Pour que quelqu'un de bon côté, bande de connaître, il faut défier Bango. Tu prends trois colas. Premier cola au lobby, quatre fois comme papa au liango. Deuxième cola. Attends, sans bango, sans famille à papa. Oui. Deuxième cola au bok yango les banatang aux obima. Troisième, on tient la poche. Ok, ça va se résoudre. C'est tout. Dans la rose, ça n'a pas été. Oui. Tombe à père, l'amour. Pas de problème. Vous êtes sûr? Très sûr. Ok, mais ça on peut pas que moi na yemo ra sala musala to essenga apne que bana yemo yemo. Il y a pas de problème. S'il y a des mauvaises entités qui sont incarnées, je te le dirai. Ne t'en fais pas. Ok, en tout cas, merci. D'accord. Merci en tout cas, on est arrivé à la fin. Boyoki bino mukoba o pe bazali peza na makanisi wana ke okenda poto obonga. Mais au moins, on a eu place pour la maman, au moins, on a place pour la papa, au cimetière, on a eu besoin de la maison, de la maison, de la maison. En tout cas, on a eu un numéro, on a sûr que on a eu un peu de temps. Merci en tout cas. Numéro Ezawana, on se retrouve prochainement. La numéro Asika. Bye. Merci. Capage TV. Capage TV.